Versailles, 1785. Cela fait 11 ans que le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette règnent sur le royaume de France. En ce matin du 15 août, une foule immense se presse dans la Galerie des Glaces, au château de Versailles. Tous sont venus pour assister à la grand-messe de l'Assomption, qui doit être célébrée par le cardinal de Rohan, grand aumônier du royaume. Mais ce matin, l'office est inexplicablement retardé. Depuis de longues heures, le cardinal de Rohan, le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette et le ministre Breteuil sont enfermés dans le cabinet royal. Soudain, le cardinal de Rohan apparaît devant la foule. Il a le visage livide, les yeux hagards. Après quelques pas au milieu de la galerie des glaces, il entend dans son dos la voix du baron de Breteuil retentir, froide, implacable. Par ordre du roi, veuillez arrêter monsieur le cardinal et d'en répondre. Comment et pourquoi Rohan, grand aumônier du royaume, a-t-il pu être arrêté à la cour de Versailles, en public et en habits pontificaux? Le cardinal pourra-t-il échapper à la colère et à la justice royale? Pourquoi cette arrestation? Va-t-elle entraîner dans ses remous Marie-Antoinette et la monarchie absolue? Est-ce le prélude de la Révolution? C'est tout le mystère et l'enjeu de l'affaire du collier de la reine, la plus retentissante escroquerie de toute l'histoire de France. Un scandale, oui, au cœur de la royauté, car la reine se trouve impliquée, à son insu et par la faute du cardinal de Rohan. Celui-ci s'est engagé, très à la légère et au nom de Marie-Antoinette, dans l'achat d'un collier de diamants absolument fabuleux. 2800 carats, inestimable, unique au monde, enfanté par le délire de deux joailliers un peu mégalomanes. Le prix du collier? Difficile à estimer. Peut-être l'équivalent de 7 hôtels particuliers à Paris. Et ce collier a disparu, sans être payé. Et les joailliers réclament 1 600 000 livres à la reine. Et c'est pourquoi, en plein au milieu des courtisans, dans la galerie des glaces, persuadé de la culpabilité du cardinal, le roi le fait arrêter. Cela jette un froid, c'est absolument extraordinaire. On n'a jamais vu une chose pareille arriver à Versailles. On avait l'impression, à ce moment-là, qu'il s'agissait d'une affaire d'État, d'une terrible affaire d'État, d'une conspiration. On se dit que pour que le roi ait demandé une pareille arrestation, il fallait que le grand aumônier fût coupable de quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave. Un scandale sans précédent, mais dans une France glorieuse, à nouveau devenue l'arbitre de l'Europe grâce à sa victoire toute fraîche contre l'Angleterre dans la guerre d'indépendance américaine. C'est l'apogée. La France a finalement vaincu l'Angleterre dans cette dure guerre d'indépendance de l'Amérique. Et la France, donc, est dans une situation de prestige. Mais à la veille d'une crise financière. Cette guerre a coûté cher, très cher au trésor. Et c'est là qu'on voit les prémices d'une crise financière qui va se développer. Une crise financière qui n'empêche pas le roi d'être très populaire. Même si sa femme, Marie-Antoinette, cristallise les colères et les reproches. On lui reproche ses dépenses excessives, son jeu, l'acquisition de Saint-Cloud qu'elle vient de faire. Là, on a des éléments qui vont évidemment se cristalliser avec l'affaire du collier.